Aujourd'hui, on va regarder les méthodes d'intégration par substitution. C'est un mécanisme d'intégration et on va utiliser la dérivée de la fonction g pour changer la variable. Regarde qui est debout, la variable c'est x, parce que ça c'est différentiel de x, il indique que la variable c'est x, mais normalement on a un intégral qui il est très compliqué. Et on va faire un changement de variable que c'est y égale à g de x. Si y c'est g de x, on va dire que si on calcule la dérivée, c'est différentiel d'y égale à g prime de x, différentiel de x. Ça, c'est les nouveaux variables. OK, la y, c'est le nouveau variable. Ok, ça veut dire qu'à la place de g prime de x, on va mettre dy. Il est f y parce qu'on vient de dire que la g c'est y et après c'est g prime différentiel de x, il est différentiel d'y. Ok. Et l'idée, c'est que la deuxième intégrale soit une intégrale très simple de travailler. Bien. On va regarder certains exemples. Okay. Par exemple, on va commencer avec un exemple que c'est la intégrale de. Okay. Et on va écrire 2x au carré divisé par 4x cube plus 7 différentiel de x. Bien. Et pour calculer cette intégrale, on va faire. On vient de dire, on va choisir un changement de variable. On va dire soit y égale 4x cube plus 7. OK? Bien. Moi, je dis, normalement, on va indiquer que les changements de variable qu'on va utiliser. Après, vous pouvez regarder un truc pour faire le changement. Il est différenciant d'y, il est la dérivée que c'est 12x au carré, différentiel de x. Regarde qu'on suit la règle. On va mettre la dérivée de g, ça veut dire la dérivée de cette expression, okay, accompagnée de différentiel de x. Alors, on va isoler la différentiel de x. Quelle est la différentiel de x? Bien. Si on va isoler la différentielle de x, il est différentielle d'y divisé par 12x au carré. Et alors, on revient à l'autre côté et on va changer la variable. On a dit que tout le dénominateur va changer par y. La partie supérieure, il est 2x au carré. La partie inférieure, la différentielle de x, il a changé comment? Différentielle d'y fois ou divisé par 12x au carré. Bien. Et alors, on peut regarder que la x va partir. Et les deux aussi. Parce que la x et les deux s'annulent. Ça veut dire qu'il reste 6. Les 6 étaient sur les dénominateurs. Ça veut dire qu'il est 1 sixième 1 sur y différentiel d'y. Et comme j'avais dit, normalement, l'idée c'est que tu trouves un intégral très difficile de travailler et après c'est un intégral très simple de le faire. Okay? Et il est 1 sur 6, c'est le logarithme naturel de y plus constant. Okay? Et alors, après, on revient à la variable initiale que c'est le logarithme naturel de y. On revient. Et il est 4x cube plus 7 plus constante. D'accord? Bien. Ça, c'est le résultat de cette intégrale. On va regarder autre exercice. Le prochain exercice, on va faire, par exemple, sinus, exercice 12. Exercice 12, c'est
Igual, et on va dire que il est sinus dx, tout exposant 4, ok, cosinus de x, différentiel, ok. Les changements de variables qu'on va choisir ici, c'est équivalent sinus de x. Et alors, la différentielle d'y, c'est cosinus de x, parce que ça, c'est la dérivée de sinus. On va isoler la différentielle de x. OK. Et après, on va trouver que la différentielle de x, il est différentielle d'y sur cos de x. Et alors, y égale à intégrale de y exposant 4 cosinus de x fois différentielle de x, que c'est différentielle de y sur cosinus de x. Et on va annuler ça, le cosinus. Et après, on regarde que la intégrale, c'est simple de travailler. OK. Y exposant 4 plus 5, c'est 5, divisé par 100. OK. Plus c. On revient à la variable de route. C'est y, on peut mettre en cinquième. Y exposant a, mais il est sinus de x, tout exposant 5, plus c. Bien. Et on vient de finir le calcul. OK. On va regarder autre fonction. OK. Cette fois, on va faire. Troisième exercice. Troisième exercice, on va mettre l'intégrale de sinus, mais cette fois, on va mettre que à l'intérieur, c'est l'exposant 4. Regarde la différence que les derniers exercices, on va mettre sinus, tout sinus, exposant 4. Maintenant, c'est la x avec l'exposant 4. OK? Fois x cube, différentiel de x. OK. Bien, cette fois, on va mettre soit y égale à x exposant 4. Ça veut dire que la différentielle de y, c'est 4 fois x cube, différentielle de x. Et alors, ça c'est la différentielle de x. Et le différentiel de x, c'est différentielle de y sur 4 fois x cube. OK. Bien, on revient à l'intégrale. Il est sinus de y fois x cube. On le laisse comme ça. Différentiel de x a changé à différentiel de y. Okay. Ça, c'est de y sur 4x cube. Okay. La x cube va partir. Les 4 qui étaient en bas, on la va mettre des sorts. Ça, c'est un cas de sinus de y, différentiel d'y. Et quelle est l'intégrale de sinus? Mais l'intégrale de sinus, c'est, OK, il est moins cosinus de y, plus constant. OK, le moins, on peut le mettre comme un quart cosinus de y. Le C. On revient à la variable de route. Il est moins un quart cosinus de x exposant 4. OK? Oui. Plus C. Et ça, c'est la réponse. OK? Bien. On va faire autre petite. Oui. On va faire autre petite intégrale. OK. Cette fois, on va mettre, par exemple, 4
Exercice 4. La intégrale de 9 moins sinus au carré de x et la base cosinus de x. 9 moins sinus au carré. OK. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bien, cette fois, c'est soit et on va mettre à la place des sinus au carré de x, à la place des sinus de x, on va mettre le changement de variable. On va dire u égale à sinus de x. OK. Il est différentiel de u égale à cosinus de x, différentiel de x. N'oubliez pas qu'on va isoler la différentielle de x. OK. Si on va isoler la différentielle de x, c'est cos différentielle de u divisé par cos de x. OK, on revient à la intégrale. Il est cos de x, soit 9, c'est 3 au carré, mais on va laisser 9, moins u au carré fois différentielle de x, mais différentielle de x, on la change comment? Différentielle de u sur cos de x. D'accord? Et les cos de x va partir. Okay. Si les cos de x va partir, comment est-ce qu'on va faire? OK. Et bien. Comment est-ce qu'on va faire cet exercice? Okay. Ça, c'est 9 moins... Ah, les cosinus va partir. OK. Et il est la intégrale de 1 sur 3 au carré moins u au carré différentiel de i. Bien, je vais mettre en formule de un tableau intégral. OK. Ça, c'est... On va mettre que la intégrale de a au carré moins u au carré en différentiel de u. Okay. Il est 1 sur 2a logarithme naturel de, ça c'est en formule, u plus a divisé par u moins a. OK, et on va utiliser cet résultat. Bien, ça c'est le résultat. On le va utiliser. Si on utilise directement, c'est OK, il est i égal à OK, il est intégral égal à. Si on suit, c'est 1 sur 2 fois 3, et logarithme naturel de i plus 3 divisé par u moins 3 plus constant. Si on revient à la variable initiale, c'est 1 sur 6 logarithme naturel de u plus 3. Mais le i, c'est sinus de x. Sinus de x plus 3. L'autre, c'est sinus de x moins 3. C'est la solution. D'accord? Bien. OK. Bien. On va travailler maintenant. On va faire une autre méthode. OK? Mais ce n'est pas une méthode, c'est de la même. Ça s'appelle la intégrale indéfinie qu'on vient de faire. Okay. Maintenant, si on le met certaines bornes à l'exercice, okay, on va regarder qu'on utilise les mêmes méthodes. Qu'est-ce qu'il entend de te dire? Par exemple, si on va trouver que la intégrale initiale était définie avec les valeurs A et B, okay, quand on fait les changements de variables, on va faire la même démarche qu'on a expliqué. Voilà. Ça veut dire que il est
Je prends de x, différentiel de x. Ça veut dire qu'on va changer, que c'est f évalué à y. Je prends différentiel de x, que c'est ça. Cette expression, on la va changer par différentiel de y. Et alors, maintenant bien, que les bornes d'intégration à debout, les bornes d'intégration c'est A et B. Maintenant, les bornes d'intégration vont changer. Et quelles sont les nouveaux bornes? Les nouveaux bornes d'intégration sont G de A et G de B. Ok? Ça qu'on va faire. D'accord? Bien. Alors, on va regarder un exercice pour des applications. Okay? Comment est-ce qu'on va faire un exercice sur ça? Pour exemple, exercice 1, c'est la intégrale de, ok, la intégrale de, et on va dire, c'est la intégrale de racine de 20 moins 2x, ok, et ça c'est 16, différentiel de x, entre les valeurs de 2 et 8, ok, et alors, on va faire, on va dire soit, ok, y égale 20 moins 2x. Oui. Okay. Et alors, si on met ça, expression, okay, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? C'est différentiel d'y égale à moins 2, différentiel de x. Et alors, et maintenant, on va faire un petit zoom. On va dire, à debout, la x est 2 et la x est 8. Maintenant, change la variable. Les nouveaux valeurs, quels sont les nouveaux valeurs? Si la x est 2, ça c'est 20 moins 4, c'est ça? Ça c'est 20 moins 4, ça veut dire 16. Ici la x est 8, 8 c'est 20, la nouveau, la y c'est 20 moins 2 fois y, 20 moins 2 fois 8. Ouais? Il est 4. D'accord? Le résultat est 4. Ok. Eh bien, là, on revient à changer la intégrale. La nouvelle intégrale, c'est les 2 a changé à la place de 16. Les 8 a changé à la place de 4. 16. 16, laisse tranquille. Racine de Y. Ok. Racine de Y. Bien. Et différentiel de X. Mais là, ah, j'ai oublié de isoler la différentielle de x, j'ai oublié ça, on va le mettre. Ok, on va isoler la différentielle de x. Combien c'est si on va isoler la différentielle de x? Si on va isoler la différentielle de x, on va dire que la différentielle de x est différentielle de y divisé par moins 2. Ok, très bien. D'accord? Et alors? Bien. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, on a dit que le nouveau word va changer. Ok. Ok. Bien. 16 à 4. 6. Ok, la différentielle de x est différentiel de y sur moins 2, il est... Ok. Bien. Faites attention à le résultat, parce que c'est 16 divisé par 2, c'est 8 moins... Il est moins...
16, 4, ok, c'est moins, ok, il y a un négatif là-bas, il y a une égalité, ok, bien, ok, là-bas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est, combien c'est sur, ça c'est 8, non? Bien, si ça c'est 8, on va mettre 8 à l'extérieur. Ouais. Parce que c'est sur 8, c'est 8. C'est sur 2, c'est 8. Moins 2. 16 divisé par moins 2, c'est moins 8. Moins 8 à l'extérieur. Il reste 1 à l'intérieur. 1 sur. 1 sur racine de y. Ok. Il est là. Ok. Et alors, ça c'est moins 8. Que c'est 16, 4, mais y c'est moins un demi différentiel d'y, comme ça. Ok. Le négatif va changer l'ordre d'intégration. Ça veut dire que la propriété de C négatif change l'ordre des deux. Si on a besoin de les changer, on mettra un négatif. Ok. Le négatif change l'ordre. Ça veut dire qu'il est 4, 16, y exposant moins 1 demi. Et alors, on peut calculer l'intégrale. Et alors, il est, quelle est l'intégrale? C'est moins 1 demi plus 1, divisé exposant, non? Moins 1 demi plus 1. Ok. D'accord, il est 16, il est 4. Okay. Bien. Et ça, c'est 8. Ok. On va, avant de remplacer l'Y, 16, on va simplifier. 4 fois Y exposant 1 demi divisé par 1 demi. Ok, 16 et 4. Ok, combien c'est 8 divisé par 1 demi? Ok, 8 divisé par 1 demi, il est, ok, combien c'est 8 divisé par 1 demi? Ok, 8 divisé par 1 demi, c'est 16. On peut faire une division de fraction. Et on remplace. Okay. Il est racine d'y, y 16, y 4, et on fait les calculs. Combien ça? Ça c'est 16, oui, multiplié par la racine de 16 moins la racine de 4. Il est 16 fois 4 moins 2. Il est 32. Ok? Regarde que ce calcul, c'est un résultat numérique parce que l'intégrale, c'est avec des bords. Okay. Bien. On va regarder autre exercice. Okay. On va regarder autre exercice pour comprendre. Ok? Bien. Alors, par exemple, autre exercice pour faire ce type de calcul, on va aller à faire. Ok. Attends une minute. Ok, on commence ici. Je vais créer l'exercice. Intégrale, je pense 3 ou 4, j'ai déjà oublié. Intégrale de okay. 0,2 x racine cubique de 4 plus x au carré différentiel de x.
Bien. On va dire soit y égale at plus x au carré. Différentiel d'y égale 2x, différentiel de x. On va isoler la différentielle de x. Il est différentiel de x et différentiel d'y sur 2x. Bien, l'autre c'est, vous n'oubliez pas comment est-ce qu'on va changer la variable. Vous pouvez le mettre comme ça. Ici, il est la x, ça débute, c'est 0, la x est 2. Mais avec les changements de variables, comment est-ce qu'il va changer? Avec les changements de variables, c'est la x 0. Ça veut dire que la y est 4 plus 0 carré, ça veut dire 4. OK? L'autre, c'est 2. Ça veut dire ça, c'est 4 plus 2 au carré, ça veut dire 8. Bien. OK, ça veut dire qu'il y a nouveau. Intégrale sera, le nouveau intégrale sera y, okay, qui est 0, 2, 0, ça veut dire ça c'est 4, ça c'est 8, x différentiel de, ok, on laisse la x, racine cubique de y, différentiel de x, différentiel de x et différentiel de y sur 2x. Ok. Bien, on regarde que la x fait partie. Okay. La x, on élève la x et il reste les deux. On va aller à l'extérieur. On va les mettre à l'extérieur. C'est 1 demi. Pourquoi? Parce qu'il était sur le dénominateur. Ça veut dire qu'il va aller à le dénominateur. Ok. Maintenant, c'est 1 demi ici. 4, 8, le y, exposant un tiers, différentiel de y. Alors, cette intégrale, elle est très simple. C'est, la intégrale, c'est y de 1 tiers plus 1, divisé par 1 tiers plus 1, quand y, c'est 8. Et on va regarder quand il est séparé. OK. Prête attention à les résultats, hein, à des simplifications. On va faire, avant de continuer, on va faire l'addition de 1 tiers et 1. Il est 4 tiers divisé par 4 tiers. Y8, Y4. Alors, il est 1 demi. OK. Mais les 4 tiers, on peut les mettre comme ça. OK. Après, on va venir à évaluer ça. Okay. Les 4 tiers, on les met comme dénominateur. OK. Et les y, 4 tiers. Quand on va faire l'évaluation à 8 et à 4. Ça c'est. OK. Ça c'est des séparations de fractions. Hein? OK. Regarde que je pourrais faire ici 2 fois 4 tiers. Les 1 sur 8 tiers. 8 tiers, on va mettre l'inverse 3 sur 8. OK. Et alors, ça c'est 8 exposant 4 tiers. Moins 4 exposant 4 tiers. Okay. Et on peut arrêter là. Ce n'est pas nécessaire de faire en plus, mais sauf que si vous besoin, vous pouvez aller très loin. Et je y arrête ici. Y arrête ici. OK? Yeah. On laisse comme ça. OK. Voilà, ça, c'est l'exercice complet. OK. Bien.
Oui. Et je tente de regarder un petit exercice qu'on pourrait faire. OK. Je vais aller à faire un petit exercice. Qu'est-ce OK. On va essayer un dernier exercice. Ça, c'est toi, exercice 4, pour simple. Ça, c'est la intégrale D. OK. Et on va choisir un exercice C. Et au carré. Et l'autre, c'est X. Racine de logarithme naturel de X. Yeah. Comme ça. OK. Yeah. On va faire les changements de variables. Okay. Pour faire les changements de variables, on va choisir logarithme naturel de x. Okay. Logarithme naturel de x, c'est la nouvelle variable. On va le mettre comme nouvelle variable, si on utilise ici. Okay. On va dire soit y égale ln de x. Okay. Et alors, la y c'est 1 sur x différentielle de x. On va isoler la différentielle de x. Si on va isoler la différentielle de x, il est différentielle de x égale à x fois différentielle d'y. N'oublie pas que c'est différentielle d'y, la dérivée de logarithme. Différentielle de x. Bien. OK. Encore, on va changer les bornes. On ne peut pas oublier de changer les bornes. OK. Si on va changer les bornes ici, OK, je vais amener toute l'intégrale à l'autre page. OK. Bien. Alors, on vient de dire qu'on va changer les bornes. Si on change les bornes, ça veut dire que x égale à et y, non, x égale à et au carré. La nouvelle variable, qu'est-ce qu'elle dit? Combien c'est la y? La y, c'est ln de e, mais ln de e, c'est 1. Y égale à ln de e au carré. Et ça, c'est 2 fois ln de e. Ça, c'est 2. Okay. Bien. Et alors, on revient à l'intégrale. Si on revient à l'intégrale, on va faire. Okay. Après, de l'échangement de variables, il change la e à changer par 1. Et au carré par 2. OK. Il est au carré par 2. Et après, c'est x fois racine de y. OK. Et alors, fois différentiel de x. Mais différentiel de x, c'est x fois différentiel d'y. Et alors, on peut annuler la x. Si on annule la x, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Il est intégrale de 1 sur A2 de la y exposant 1 demi. Et il est 1 demi plus 1, 1 demi plus 1. OK, évaluer entre Y2 et Y1. OK. Et combien c'est 1 demi plus 1? 1 demi plus 1, c'est 3 demi. 3 demi. 3 demi. OK.
Bien, je continue. Les trois demi, on va mettre le sort et il va monter, il va changer à deux tiers. Pourquoi? Parce que je peux mettre les détails sinon. Parce qu'il est 1 sur 3 demi. OK? Il est Y 3 demi. Y 2. Y 1. OK. 1 sur 3 demi, c'est l'inverse du tiers. Et après, c'est 2 exposant 3 demi moins 1 exposant 3 demi. OK, c'est correct. OK. Et on peut arrêter là-bas. On peut arrêter ici. D'accord? Bien. OK. Je pense que j'ai fait... Maintenant, on peut faire changement de variables sur des autres problèmes. Mais prête attention. OK. Pour simple, je vais faire un petit exercice. OK. Et je ne sais pas quel est l'exercice. Mais imagine-toi que on va dire, on va changer la variable à cet exercice. Est-ce qu'on peut changer la variable? OK. On peut dire soit y égale sinus de x. Ouais, on peut le faire. Mais il va, on va trouver le différentiel de x. On va isoler la différentielle de x et on va trouver le différentiel de y sur cosinus, pour simple. Et après, on revient et on va dire x fois sinus, il a changé y. Mais la différentielle de x, c'est différentiel de y sur cosinus de x. Et alors, prête attention qu'il est cosinus et il est x, je ne peux pas l'annuler. Ça, c'est impossible, je ne peux pas annuler. Ça veut dire que la x, je ne peux pas le faire. Ah, mais si je ne peux pas annuler la x, et je peux essayer autre changement de variable. Mais quel est l'autre changement de variable? Il n'y a pas. Bien. Ça veut dire que, en cet exercice, je ne peux pas faire l'exercice parce que là, les changements de variables ou tout mon calcul que j'entends de faire ne marche pas. Okay? Tous les calculs qu'on vient de faire ne marche pas. Ça veut dire qu'on va annuler ça. On va dire, mais si ça ne marche pas, on l'annule. On va dire, on va changer de méthode. OK? Eh bien, et ça c'est bien sur autre vidéo qui s'appelle les méthodes d'intégration par partie. OK? Bien. Bye.